c'est toujours des moments importants pour un équipage et pour un bateau. Voilà, on sort d'une étape, quoi. On franchit une nouvelle étape. Voilà, c'est ça. Bah, Arctic Bay, c'est le symbole du passage du Nord-Ouest. Donc c'est notre première escale, on va pouvoir marcher un petit peu à terre, voir ce village inuit et puis profiter de l'endroit. Donc c'est plutôt sympa, tout le monde est content. Pas mal tout ça, non? Très beau, ouais. Après quelques jours de mer. Ouais, après quelques jours de mer, le paysage il change et puis on se dit qu'on va enfin poser pied à terre aussi. Et je crois 11 jours de mer si j'ai bien compté. Donc, ça va nous faire un petit peu de bien de se dégourdir les jambes là. Je sais pas, je m'attendais pas à un paysage comme ça en fait. Je m'attendais plus un truc plus enneigé, un peu moins rocheux, pas forcément des roches rouges comme ça. C'est assez délire, ouais. Et du coup ça fait un peu deux univers différents là. Un côté vachement enneigé et assez vert. Enfin, c'est vert, plutôt vert, et puis de l'autre côté, un endroit hyper aride, super sec, c'est assez délire quoi. On dirait le Colorado, ouais. Bah, c'est très très beau, c'est magnifique, c'est calme, c'est relaxant, on va dire, c'est superbe. Ils disent, je pense c'est les par contre, il n'y a pas de chien ici, c'est marrant. Non, pas si, c'est tout. Il y a un gros, il y a un gros.